C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le stand INMAC où on reçoit Google for Education. Donc je suis avec Fabrice qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Fabrice David, je suis enseignant en BTS Système Numérique au lycée Jules-Fille à Carcassonne et je suis Google Certified Trainer et nous allons vous présenter avec Pierre les solutions de Google Workspace. Donc enchanté, Pierre Florec, enseignant au collège Pierre de Ronsard à Poitiers en mathématiques et également expert Google for Education. Pierre, j'ai un gros souci, j'arrive pas à gérer les documents de mes élèves. Je me retrouve toujours empaqueté dans différents mails ou différentes solutions de NT. Je suis perdu, l'informatique pour moi c'est censé me faire gagner du temps et je m'en sors pas. Est-ce que tu as une solution à me proposer qui répondrait à ce besoin-là? Bien sûr Fabrice, tu sais bien que j'ai toujours ça dans mes outils. On est parti, tu viens? Allez viens, accompagne-moi. Alors, je vais te présenter une solution hyper simple, hyper efficace, hyper fluide. Génial. Ça s'appelle Google Classroom. Et avec Classroom, tu vas pouvoir partager des documents avec tes élèves et pouvoir créer des cours, partager des fichiers, donc de pouvoir partager des devoirs. Tu vas voir, ça va être hyper complet. On est parti, je te montre que c'est très simple pour déjà créer. Super. Donc, allez, on y va. On fait quelque chose de très pratico-pratique. Donc, tu crées un cours. Je crée un cours, très simplement, nom du cours, on va mettre, tu veux que ce soit en quoi? Moi je suis en BTS. Mais allez, BTS. BTS, tu peux choisir ta section, etc. Bon après c'est, en termes de, tu vois, d'organisation, c'est assez bien fait. Voilà, okay. Ça y est, tu as déjà créé ton cours. Après, on va pouvoir inviter des personnes. Donc tu peux inviter des élèves, donc soit tu connais déjà les adresses des élèves, ou par exemple moi, je vais inviter mes élèves qui sont tous les élèves de 6e set. Super. Voilà, c'est parti. Ils vont recevoir une invitation. Ok. Et je vais pouvoir également, une fois que ça sera fait, je vais pouvoir inviter des enseignants aussi à co-animer mon cours. Super. Donc ça, c'est hyper puissant. Donc là, je vais t'inviter également. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Ah oui, alors, petit bémol. Je n'ai pas dans ton organisation. Tu n'es pas dans le domaine. Ouais. Et ça, c'est important puisque on est dans un domaine qui est bien sécurisé. Okay. Donc, les élèves sont sur le domaine de l'établissement. Ici, pour moi, c'est ronsard-poitiers.fr. Donc, le prof doit faire partie de ce domaine. Ok, super, voilà. Génial. Mais tu peux inviter un autre prof. Donc, les élèves sont invités et on va pouvoir, par exemple, partager les premiers documents. Donc là, si je veux partager un document, je suis dans ce qu'on appelle le flux. Donc, je vais leur envoyer, par exemple, bonjour. Hop, si ça veut bien écrire. Voilà. Bonjour. Voici un document. Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, je peux l'envoyer à toute la classe. Ouais. Je peux l'envoyer à d'autres classes. Ah, super. Mais je peux également choisir, par exemple, si je veux envoyer à tous les élèves ou à un seul élève. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, parce que pour pouvoir continuer à travailler, pour que je te montre, il faudrait que les élèves rentrent dans le cours. Ce qui n'est pas le cas, donc on va prendre un cours qui est tout prêt. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est, je vais refaire la même manip. C'est parti. Donc, bonjour. Donc, j'ai dit, voici un document. Et je vais pouvoir donc, ce que je te disais, choisir par exemple si je veux l'envoyer qu'à un élève, par exemple à Morgane ou à Ryan, je peux l'envoyer qu'à ces deux élèves. Ceux qui font partie de ton organisation. Ou si je veux tous les élèves, c'est parti. Ok, super. Donc tu vois, hyper, hyper fluide et en plus c'est très sélectif et tu peux faire la différenciation. Ok, alors. Ça c'est important pour toi. Ça c'est bien, mais moi si je voulais te donner des devoirs à donner aux élèves, comment je peux faire? Je veux qu'ils me complètent des documents. Ouais. Comment tu peux faire? Alors tu as vu par contre là. Tu peux mettre n'importe tout type de document. Okay, donc drive, tout type de document, YouTube, tu peux aller chercher dans ton drive. Ok. Voilà, tu peux aller chercher une vidéo YouTube, tu peux aller chercher dans ton ordinateur pour importer un fichier ou carrément mettre un lien. Ok, super. Génial. Et petit truc, et après je réponds à ta question, dans publier, soit je publie maintenant, soit si tu te dis tiens je le fais en soirée, hein, des fois, on sait que les profs ils travaillent tard le soir. Tout à fait, ouais, c'est hein, clair. C'est ça, clair. C'est ton cas. Voilà. Eh bien, tu peux le programmer, tu le fais le soir à 23h, plutôt qu'ils reçoivent une notification à 23h. Tu le programmes et tu dis tiens je leur envoie plutôt demain matin le 16 voilà à 8h démarrage du cours. Super. C'est programmé donc quand tu arrives ils reçoivent le document.
génial. Allez, donc, moi la voilà. problématique, c'est que je veux donner des devoirs. Donc c'est là, ça. Si tu m'as montré le flux, c'est super. Mais si je veux donner un devoir. Je pars dans travaux et devoirs, tu vois, déjà tout est prêt. Mmh. Alors, première chose à faire quand même, moi je te conseille de bien organiser. C'est-à-dire, pour bien organiser, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle des thèmes. D'accord. Bon, le thème, en gros, c'est pour avoir des chapitres dans lesquels tu vas pouvoir mettre tous tes documents. Et d'ailleurs, moi je travaille moins avec le flux, mais plutôt avec travaux et devoirs. Comme ça, le document que tu vas mettre, il va aller directement dans le flux. Okay. En plus. Super, génial. En superposition. C'est exactement tout ce qui a été publié. Tu veux créer un devoir. Je réponds à ta question. Donc tu vas dans devoir. Mmh. Je crée un devoir. Donc par exemple, devoir à 1. Tu mets les instructions, par exemple, à rendre sur feuille, mais ça pourrait aussi être à rendre, on va voir, directement dans la console. On va mettre à rendre plutôt pour vendredi. Même si on va pouvoir mettre en plus une date limite. Ah, génial. Donc là, je peux mettre ma date limite. Okay. Date limite. Par exemple, je me dis, tiens, il faut qu'il le rende pour vendredi. Ouais. Tu peux mettre une heure si tu veux. Alors, pas 23h59 parce qu'elle est pour midi. Ouais. Voilà, donc tu as fait ta date limite. Impeccable. Tu peux rajouter des points si tu veux. Ouais. Ou pas de notes. Ouais. Toi de voir. Donc on va mettre la note sur 10. Tu peux aussi l'envoyer à tous les élèves comme on a vu ou pas, okay. Certains élèves. Tu peux le mettre dans un thème, donc créer un thème, okay. Ou directement dans le problème, ou carrément faire une grille d'évaluation en plus. Ah super, une grille d'évaluation. Tu auras des notes et tu peux créer ta grille d'évaluation. Super. Donc voilà, ça se fait bien. Je te montrerai ça peut-être quand tu seras un peu plus à l'aise et avancé. Ouais. Donc, mon devoir, tu peux joindre n'importe quel type de document. Par exemple, on va aller joindre un document PDF, le truc simple, classique. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, hop, toi t'aimes bien. Chapitre 1, voilà, hop. J'ai un petit cours en plus sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi quand j'envoie le document? Et moi, ce qui serait bien, c'est que les élèves reçoivent une copie. Et ouais, qu'ils reçoivent chacun leur copie. Et ça, tu peux faire une copie par élève. Oh, c'est génial. Voilà. Et encore mieux, tu peux carrément en direct créer un Google Doc. Ouais. Qui va finalement être la copie vierge de l'élève. Ok. Voilà, tu vois. Donc là, c'est le devoir. On va le rappeler. Hein. Devoir 1. Voilà, il est créé. En ligne. Et donc, c'est la copie vierge de l'élève. Et là, tu mets faire une copie par l'élève. Ça veut dire que chaque élève va recevoir sa copie. Et on va publier le devoir. Alors là, mes élèves ne vont pas comprendre, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il nous envoie le prof, là. C'est pas grave. Normalement, c'est parti. Donc, si je retourne sur devoir 1, je vais pouvoir regarder, afficher les instructions. J'ai mon devoir qui est donné. Bon là, j'aurais pu écrire quelque chose dans mon devoir. Ouais, mais ouais. Là, c'est une copie blanche que j'ai envoyée. Et. Je me suis délogué. Ouais, non, quand t'appuies sur un bouton, t'appuies sur deux trucs. Petit problème technique, c'est bon. Ok. Gros intérêt, si je vais dans mon drive, hop. Donc je vais retrouver dans mon devoir 1. Ok. Toutes les copies de mes élèves en plus. Ok, donc en fait il crée une copie dans le drive chaque fois Il crée une copie. Okay. Alors on aurait pu y aller par Classroom, mais là il crée une copie. Et d'accord. Je peux très bien aller avec lui en direct écrire sur son document. Okay. Mais c'est plus simple, je pense, depuis Classroom, de ne pas sortir le Classroom. Peux. Voilà. Donc depuis Classroom, je peux retrouver tous ces documents. C'était juste pour te dire que tous les documents que tu vas mettre, tu vas les retrouver comme ça dans ton drive quand tu mets le devoir. Alors si je ne veux pas sortir de Classroom, est-ce que je peux les voir tous ces devoirs depuis Classroom? Oui, mais il faut déjà que tu aies des élèves qui soient. Dans devoir des élèves, tu les as ici. Voilà. Génial. Et tu peux noter comme ça à gauche. Et tu mets tes notes. Voilà, ça marche bien. Tu mets tes notes et tu vas pouvoir les exporter derrière. Ok, et pour retrouver mes notes de manière facile, on peut les voir sur Classroom? Là, tu as dans notes, quand tu retournes dans ton Classroom, hop, tu as tes notes ici. Ah, génial. Voilà. Excellent. Et là, tu retrouves. Bah, j'imagine que tu gagnes énormément de temps maintenant avec cette solution. C'est ça. Mais c'est mon objectif, tu m'as demandé. Mais oui, non, mais moi je veux gagner du temps. Et voilà. Bon, on a fait vite, mais on a été efficace. Ben ouais. Tu y vas et puis tu me fais un retour. Ok, merci. Fabrice, je suis avec mes collègues, on fait de la concertation en mathématiques. Ouais. Nous, on aimerait avoir un espace où on peut travailler, collaborer, échanger les documents. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Quelque chose de vraiment efficace et simple. Alors, c'est vraiment un travail entre enseignants, les élèves? Ouais, là, c'est vraiment entre collègues. Okay. Même si on pourrait le faire avec les élèves aussi,
j'aimerais bien, okay, mais dans un premier temps... Temps, c'est, tu veux échanger des documents, tu veux préparer faire un projet, de classe, un projet... Okay. C'est ça, exactement. Et tu sais quoi, j'ai deux choses à te proposer. On le râle ? Allez, vas-y. On y va. C'est parti. Alors, j'ai deux choses à te proposer. Bon, je pense que tu es à l'aise avec, Google Drive, donc on va passer par Google Drive. La première solution que je vais te proposer, c'est de créer ce qu'on appelle un drive partagé. Est-ce que tu connais ou pas du tout ? Bah, comme son nom l'indique, c'est un drive qu'on partage. Exactement. Ouais, alors, en fait, tu as deux possibilités de partage. Soit tu crées un dossier que tu partages dans ton drive à toi, ou soit on va créer carrément un drive partagé. Okay. Et c'est le mieux de faire cette solution. Pourquoi ? Parce que tu pourras rajouter des collègues et tu peux leur donner des autorisations supplémentaires par rapport au partage. D'accord ? Donc là, j'en ai déjà un qui est créé, un drive partagé. J'en ai même plusieurs qui sont faits, tu vois. Donc, je vais en créer un nouveau. Donc, je fais bouton droit, nouveau drive partagé. Et je vais mettre travail entre collègues. Ceci. Voilà. OK. Donc là, en fait, j'ai un drive qui arrive ici directement. Ben, c'est super simple. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rajouter des documents ici qui seront soit des docs, soit des sheets, soit des slides ou d'autres documents. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Okay. Tout ce qu'on veut en termes de fichiers. C'est comme un drive, c'est comme un disque dur qui est accessible depuis l'extérieur. Je peux gérer les membres. Donc là, c'est moi qui suis ici. Donc je pourrais rajouter moi. Donc moi, ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas membre de ton organisation. Mais je vais avoir des options supplémentaires par un drive. Soit je vais dire que mes collaborateurs, ils ne seront que lecteurs. Donc chacun son rôle. Chacun son rôle. Ok. Soit commentateur, soit contributeur. Donc eux pourront ajouter et modifier des fichiers. Donc ça, c'est très intéressant. Soit ils seront gestionnaires de contenu, donc ils ont des accès un peu supplémentaires. Ou soit carrément administrateur. Et là, c'est le droit maximum. Donc là, par exemple, ça peut être moi. Exactement. Et mes collègues, ok. Exactement. Super. Là, j'ai utilisé ta console à toi. Mais bon, là si je mets par administrateur, je pense que ça va pas marcher. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas partie de ton organisation. C'est donc il faut que je prenne un collègue qui soit dans ton organisation. Okay. D'accord ? Donc pour ajouter des documents, c'est hyper simple. J'ai fait du drag and drop. Je prends mes documents, je dépose ici. Alors je vais en prendre un qui est déjà fait pour toi. J'imagine que tu as déjà partagé des choses avec des élèves. Mais par exemple, si je vais sur celui-ci, tu vois, tu peux créer des sous-dossiers comme une organisation de disque dur avec des PDF que tu as mis, voilà, des calculs de maths. Tu peux mettre bien entendu des Google Docs, des Google Sheets, des Google Slides. Et du coup, on peut collaborer de manière active, tous ensemble, les collègues. Ça, c'est la première solution que je propose. Ça, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y en ait un qui organise tout. Exactement. Ça, c'est OK. Tout à fait. Super. Donc ça, c'est bien, on va dire, pour du partage de ressources. Maintenant, tu m'as dit que toi, tu voulais peut-être travailler en mode projet. Oui, en mode projet, on puisse aussi communiquer. Exactement. Là, dans le travail partagé, tu n'as pas cette possibilité de pouvoir communiquer. Mais il y a une solution, je suppose. Mais bien entendu, il y a tout sur Google. Oui. Il y a tout sur ce qui manque. Alors, je vais donc aller sur notre application, qui est le chat. Super. Et le chat, en fait, c'est vraiment un hyper méga gros workspace où dedans, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des espaces de travail et je vais pouvoir ajouter des collègues dedans. Mais en plus de partager des fichiers, des documents, je vais pouvoir communiquer avec eux. Donc, on va pouvoir discuter sous forme de discussion et pouvoir partager. Donc là, on a créé Educatec 2023. Les membres, donc logiquement, tu m'as mis, je peux faire gérer les membres. Voilà, tu m'as mis. Alors moi, je suis externe, tu m'as autorisé. C'est bien noté. Okay. Autorisation, donc il y a même marqué que c'est externe. Oui, pourquoi ? Parce que l'idée du workspace, normalement, c'est pas de sortir de son espace de domaine, de rester dans son domaine. Ok ? Mais là, l'avantage. Ce qui permet de sécuriser les données. Exactement. Il faut quand même souligner l'importance que met Google sur la sécurité de ces données. Parce que mes collègues vont me demander quand même. Non, mais ils ont toujours peur, je comprends, mais c'est hyper sécurisé. Okay. Okay. Et là, bonjour Pierre, aujourd'hui... Donc là, c'est vraiment un chat, là on discute. Ouais, c'est un chat, réunion pour le projet maths. Donc là, réunion pour le projet maths, est-ce que tu peux insérer directement, par exemple, dans l'agenda ou une visio Alors, une visio par exemple, je vais faire une visio avec mes collègues, est-ce qu'on peut intégrer une visio ? Tu peux créer directement si tu veux, hop, ah ici, ouais, facile quoi. Une visio conférence. Vous êtes tous. Alors l'idée c'est que tout le monde soit connecté. Okay. Donc ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait tout le monde est sur son workspace, hop, les copains on arrive, visio en cours, hop, et je peux lancer une visio comme ça, je clique ici, et automatiquement j'ai un Meet qui s'ouvre. Ah ouais, super. Et dans le chat, tu peux retrouver le lien du Meet. Et donc on peut interagir et travailler à distance pour être encore une fois pour gagner en productivité. C'est tout ce qu'il me faut. Hein. Super. Ensuite, ça c'est le chat, ça veut dire que c'est le fil de discussion que tu vas avoir entre les personnes. Je mets un document, par exemple un document dans le chat. Exactement. Alors si je mets un document, je peux le mettre soit par ici, je peux joindre un drive d'ici, ou sinon je peux retrouver la liste des fichiers qui seront ici.
Ok. Alors je vais prendre quelque chose qu'on a travaillé ensemble, c'était du Cateclat par exemple, on avait mis des fichiers. Là je vais retrouver différents fichiers qu'on avait fait ensemble. Ça, ce sont tous les fichiers qui ont été envoyés dans le chat. Exactement. Tout ce que tu vas mettre ici en termes de liens de fichiers, tu les retrouveras ici. Une fonctionnalité qui est aussi intéressante, c'est aussi également un planificateur de tâches. Tu peux créer des tâches. Et ouais, du coup pour le projet, ça c'est bien. Et oui, tu peux dire par exemple, voilà, préparer le conseil. Là on a dit préparer le conseil de classe, ranger la salle, préparer le. Et tu mets le responsable. Exactement, tu peux changer les responsables, tu peux ajouter des tâches. Quand la tâche est finie, hop, on va dire qu'elle est faite et elle est mise en balle en tâche terminée. Donc je prends un exemple concret. Nous on veut faire un devoir commun. Ouais. On se dit par exemple, tel collègue, il est responsable de l'exercice 1, l'autre exercice 2 et ouais. tout. Il peut donc avoir sa tâche ici en tant que responsable et il va mettre les fichiers, par exemple, les exercices qu'il peut, exactement. Qu'il peut proposer et nous, on fera le choix après. Exactement. Ah, mais c'est super ça. Tu peux planifier aussi des dates et des heures si tu veux dans ta planification de projet. Non, mais c'est un outil qui est vraiment complet. On va dire que c'est la strate ultime du workspace. Si tu veux que du partage de documents simples, on va rester sur du travail partagé. Si tu veux vraiment communiquer avec tes collègues, on utilisera le chat. J'ai tout ce qu'il me faut, David. Vraiment, je te remercie. Je pense que ça va nous changer la vie. Merci. Bien.